Et salut à toutes et à tous. Bon, donc rebonsoir, on se retrouve now pour la suite du live de cet après-midi. Faut que je règle un truc, j'ai presque fini. C'est ça, non muet, voilà, parfait. Donc voilà, on se retrouve pour continuer notre après-midi playing in Minecraft là now tout de suite. Voilà. J'ai bien mangé, tout va bien. Donc, on va pouvoir repartir tranquillou sur du Minecraft. Et oui, coucou Philippou, j'ai vu ton message. Je regarde tes messages, même si je te réponds pas. Sache que tous les jeux que tu proposes, j'en prends note. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, parce que j'ai vu que tu as commencé à proposer pas mal de jeux. Donc, ne t'inquiète pas, même si je réponds pas, je prends note des jeux que tu proposes. Donc, je vais vous mettre le jeu, si ça veut bien. Normalement, j'ai un léger décalage, voilà, c'est bon. Excusez-moi, j'ai un léger décalage, du coup je regardais si c'était bon. Donc, nous revoilà sur notre belle île où on s'était quitté, sur la fin de cette l'agrandissement, cette belle ferme à canne à sucre. Une belle ferme à cactus, enfin... pastèque et à citrouille, d'ailleurs je vais les récolter un petit peu. Hop. Oh là, c'est tellement satisfaisant, mais j'adore. Oh là. On en jouit. Ah, il y a rollback. C'est une mitraillette le machin. En solo, ça buggerait et on devrait déco-reco pour pouvoir recasser le bloc. Mais nous ne sommes pas en solo. Et oui, j'ai le ok parce que j'ai encore mangé trop vite. Ah là là. Je suis pas très doué, désolé. Hop, on ne perd pas de temps. On continue de casser, toujours plus. Hop, voilà. C'est pas beau ça. Hop. Oh non. Voilà. Bon, le dernier étage il pousse moins bien que les autres, je sais pas pourquoi. Ah mais c'est normal parce qu'en fait comme il est pas éclairé, il y a des moments où il fait nuit donc du coup oui ça pousse moins bien. Pour ça. C'est pour ça. Bon, du coup, je l'éclairerai après. Quand on fera d'autres étages, ça sera plus, ça sera mieux. Eh mince, du coup, mon inventaire est plein. Je visais aussi. Je me disais aussi. J'ai pas doué. Et parce que comme Pandam m'a donné une pioche, une hache, pardon, une pioche, pourquoi une pioche? Une hache avec fortune. Je récolte un petit peu beaucoup de melons, hein. Et sur les pastèques, ça marche... sur les citrouilles, ça marche pas tellement, mais sur le melon, on voit combien est-ce que je récupère de melons à chaque fois. Donc bon, hein, on est... on peut dire qu'on a une bonne production. Hop, du coup la citrouille, vendre tout et voilà. Du coup bah, je sais pas si Colox va venir ce soir, j'en ai aucune idée. Il ne peut pas vous dire parce que je n'ai pas de nouvelles. Il ne me répond pas. Sniff. Bon, enfin bref. Oui du coup j'ai oublié de faire le ticket pour demander. Bon c'est pas grave. Du coup, je sais même pas pourquoi je vais miner alors que ça sert à rien. C'est ça, je voulais voir pour agrandir la ferme à cactus. Ouais, la ferme à cactus, ça devrait être simple à améliorer, à agrandir. Déjà, je pense que je vais déjà l'agrandir jusqu'au bout ici. Et en gros, je vais la faire arriver jusqu'ici. Et peut-être même plutôt la faire commencer genre tout en bas, histoire de pouvoir monter facilement. Parce que la ferme à cactus, c'est... plus compliqué de la redescendre plutôt que de la monter. Du coup je pense que je vais détruire ce que j'ai là
Déjà, je vais détruire ça. Je vais le déplacer. Je vais le déplacer. Et ensuite, on va détruire la ferme à cactus. Je vais chercher une cisaille. Ce sera plus simple de casser avec une cisaille. Hop. J'ai oublié de faire un truc. Qui c'est qui me mentionne? Ok, d'accord. Et j'ai encore oublié de changer de fenêtre. Voilà la joie. Ah, voilà. Ce sera plus simple comme ça. Je récolte la laine juste après. Voilà. Du coup, faut juste que je vois où est-ce que il atterrit. Re la compagnie. Re Tanoxo. J'ai tapé Viper Mage, mais non, Tanoxo. Ça produit pas mal, n'empêche. N'empêche, pêche. Parce que là du coup on a notre ferme à potate, enfin notre ferme semi-automatisée fruits et légumes. Mais du coup il faut que je regarde où est-ce qu'il atterrit. Ah d'accord, en fait c'est dans le truc à cochon. On n'a pas colloque ce soir. Bah je sais pas, je lui ai envoyé un message mais il me répond pas. Je vais aller regarder mais moi j'ai pas de message, il me répond pas. Apparemment non, il est pas dispo. C'est tristouné. Couloir. Oui, c'est son nouveau pseudo, tu savais pas? Yeah. Il va faire la gueule quand il va voir ça. Du coup... J'en étais où? Oui, j'en étais à je voulais descendre tout en bas pour continuer la ferme à cactus. Donc pour cela, il va me falloir beaucoup de blocs. Je vais aller chercher des blocs. Eh mince, je vous ai pas remis sur la capture de jeu. Votre streameuse préférée qui galère. Voilà, c'est mieux. Excusez-moi. J'ai point fait attention. Il va falloir que je reforme du bois. Ouais, risque, j'ai mis mon échelle. Elle est là. Du coup. On était là. Donc, ici. Ah, ça c'est dommage. Quelle belle lumière, dis donc. Ça va le soleil, vous fait pas trop mal aux yeux? Ah oui, mince, il faut que je décale d'un du coup. Faut que j'y pense, en fait, le coffre, il va être... En fait, le coffre, il va être ici. Et j'ai pas pris de coffre, donc on va le mettre par des demi-dalles. Hop, voilà, je vais mettre un terre. Un terre. J'ai un terre et je pose une slab. La joie. Donc là, du coup, ce sera le coffre. Et ensuite, bah, on va agrandir le reste. Magnifique morceau de verre. Faire une petite plateforme. Voilà, parfait. Du coup, on va remarniter. Non, même pas besoin. Ah, déjà, point positif, les nouvelles commandes fonctionnent.
parce que j'ai fait de nouvelles commandes plutôt que faites ceci pour cela. J'ai changé et les commandes maintenant c'est ça. Ah bah. Voilà, ça marche mieux comme ça. Et GG Pod, oui. Du coup, il va me falloir des slabs. Je dois en avoir qui traînent dans des coffres, normalement. Tout juste des spruce slabs. Je vais faire le sol avec, ce sera plus simple. Alors par contre, ça va être chiant si je peux pas creuser. Nani. Mince, je suis pas allé du bon endroit. Et GG Pod, oui. Bah non, attendez. Où est-ce que j'ai fait mon truc, moi? Attendez. Parce que là, en fait, ce que j'ai creusé... Mais c'est ça, en fait, ce que j'ai creusé. C'est en fait le hopper. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, en gros, là, ça va être le hopper. Du coup... le coffre, il va être ici, en fait. Ah bah, d'accord. Ça va être plus simple si je fais comme ça. Du coup, je vais récolter ça. Tombe pas, 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 tombe pas. Ok, c'est bon, parfait. Du coup, la stone slab et la dirt. Vous irez là. Du coup, là, ça sera le hopper. J'ai fait une petite ferme à pastèque tout en bas de notre île. Ah bah, je peux aller la visiter. Si t'es là, je peux aller la visiter, du coup, Tanoxo. Ça, je vais en profiter. Ok, slash TPA. Tanoxo. Ah, mais t'es pas quoi? J'arrive dans 10 minutes. Très bien, ça marche. De toute façon, je vais le voir quand tu vas te co, donc il n'y a aucun problème. Par contre, là, les bordures me seraient utiles. Ouais, non, ça va. Ouais, ouais, voilà, c'est bon. Lèche-cul. Le joueur. J'adore jouer à Smelt Block. Bon, bah, ouais, voilà, ça fait plaisir aux développeurs. En vrai, c'est un truc que je me demande parce que heureusement qu'il visite pas notre île. Parce que je me dis, s'il tombe sur les panneaux où j'ai mis mon Twitch, il va faire la gueule. Bah après, techniquement, je lui fais de la pub. Hein. Regarde Tanoxo. T'as rejoint le serveur grâce à moi. Hein. À moins que je me sois trompé et t'as pas rejoint le serveur grâce à moi. Ah. Je lui en avais parlé. De quoi tu lui en avais parlé? De mon stream à Dorvac. Il faut pas. Ah si, il faut. Après, j'ai pas craché. Pas Dorvac. Tu parles de qui? Ne comprends pas. Il y a un autre chien qui a spawn. Un chien, un dogo. Je vais casser un arbre. Mais pourquoi pas? Non, non. Ah, Philippe Poutre. Ok, bah j'ai rien dit alors. C'est chiant ça. Regarde, je casse le bloc et il y a des trucs qui me poussent. Je suis perché ce soir. Non, non, t'inquiète. Je crois que je le suis aussi. Comme ça, on est deux. On va être bien comme ça. Putain, il y a une énorme star. Bon. Ah, les gens qui doivent se lever tôt demain. Alors que moi, je vais juste dodo.
Ouais, je vais juste me lever aussi tard que je veux. Peut-être faire un petit peu de montage et puis on verra bien dans la suite. Alors, par contre, ça c'est relou. Mais punaise, c'est pas vrai! Arrêtez de me pousser! Regardez ça! Je suis pas folle quand même. Je vois bien qu'on me pousse. Putain, 14 pouces d'un coup. Bon, je pense que ça sera bon avec ça. Hop, voilà. Ensuite, je vais faire un petit peu de slab. Elles sont là, les slabs. Voilà. Il me manque couloir. De quoi il te manque couloir? Ah. Mais oui, je sais bien, mais bon, moi aussi il me manque. Et je sais pas pourquoi il me répond pas et il vient pas. Donc allez-y, spammez-le, dites-lui de venir après. Moi je sais pas hein, après s'il a pas envie de venir. Enfin ça fait bizarre. Ça fait bizarre sans lui, c'est pas la même chose. Mais je suis... plus simple comme ça. On m'a rien demandé en même temps. Mais viens, je t'ai envoyé un message. Viens jouer, non mais oh. D'où tu te permets de venir sur le chat et pas en vocal? Non mais, allez grouille-toi. Plus vite que ça. Non, je regarde la Zlan. Oh, t'es sérieux? Tu vas vraiment regarder ça alors que tu peux avoir la rediff? Pff. Alors que là, tu manques des choses dantesques. Eh, hey, d'ailleurs, il me manque plus que les 25 heures et je peux passer diamant. Hein. Il me reste plus que les 25 heures de jeu et je peux passer diamant. Hein. Donc tu ferais mieux de te dépêcher de farm. Hein. Ah bah d'accord. Tu as changé. Et bah retourne ma téton Zlan. On a pas besoin de toi après tout. D'ailleurs je vais changer le nom de la chaîne, ça sera Dodalgo et... Oui, oui, je sais, t'inquiète, je l'ai déjà, je l'ai déjà, je l'ai déjà. Enfin, ne t'inquiète pas, à chaque fois, je regarde les jeux qu'il y a gratuits sur l'Epic toutes les semaines. Ne t'inquiète pas, je suis une rapia. Je te rappelle que je suis normande, donc forcément, on crache pas sur des sous. Mais mon coloc est anti-épique, donc bah il rate plein de jeux, mais bon c'est pas très grave. C'est son problème. Ah par exemple il a raté GTA. Alors qu'aujourd'hui bah il voulait jouer à GTA parce qu'il voulait faire du RP GTA. C'est un peu triste, dommage pour lui. Moi je m'en fous, hein. Moi non plus j'aime pas spécialement épique, mais bon, m'en fous, il m'offre des jeux gratuits, donc je peux pas cracher dessus. Bah oui, il y avait GTA, mais bon, ça date, ça.
Et du coup, moi, je l'ai eu gratuit, GTA. J'ai eu GTA, j'ai eu Ark, Just Cause 4, je crois. J'ai eu plein de trucs gratuits. C'est quoi? C'est Craft. Si tu veux, je te montrerai ma bibliothèque épique après. Elle est pas mal remplie. Enfin, pas mal remplie. Moins remplie que celle de Riexor, mais bon. Elle se remplit d'un jeu de plus toutes les semaines. Sans compter ma bibliothèque Steam qui se remplit aussi pas mal. Et bon, le problème c'est que je peux pas jouer au jeu parce que j'ai envie d'en faire des lives. Et donc, du coup, pour éviter de me spoil, etc., bah du coup, je peux pas y jouer. C'est ironique quand même parce que j'adorerais faire des lives sur un peu plein de jeux. Mais le problème c'est que le jeu que je stream le plus c'est du Minecraft. C'est un petit peu dommage ça. Bon, enfin bref. Bon, en parlant de ça, on a presque terminé la plateforme. I'm here. Ok. Je bouge pas. Et... Oh, je suis trop fier. Les commandes que j'ai mis marchent super bien. Du coup, vous verrez, il y a quelques commandes comme ça qui arrivent. Voilà, c'est ça. Chercher ma bouteille d'eau. Ah oui! Ah oui, oui, ah oui, oh, 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 bah, oh, là, voilà, hein. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Elle est pas mal, votre île. Elle est très sympatoche. Elle est très, très sympatoche. Elle est pas mal grande aussi. Ah oui, tu prévois de faire une énorme île, une énorme ferme à pastèque. Dommage, j'ai essayé de taper dedans, mais je peux pas. Ah ouais. En plus, pas mal, ouais, elle est plutôt jolie. Je bloque de diamants. À peine riche. Non, elle est très jolie, cette île. Enfin, c'était ton île. Elle est très très sympa. En plus avec le fly, Nani. Ah. Bah d'accord, merci Tadoxo. Non, t'inquiète, c'est pas grave. De toute façon, faut que je finisse ma ferme à cactus. Mon frère a un Ricola dans le nez. Il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il fout avec un Ricola dans le nez? Du coup, j'allais visiter un petit peu le dessus de ton île. J'essaye de mettre les permes. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Note. Laisse tomber, il joue à LOL, il devient fou. Ah bah. Ah, va dire ça à Colox qui passe son temps sur LOL. Et qui me force à y jouer. Quel scandale. Non, mais. Putain, vous avez même des chats. Elle est pas mal. Putain, elle est beaucoup plus belle que la nôtre. Faudrait que je fasse un truc comme ça aussi. Argent généré, boosté 0,75. Prochaine vente 16 secondes. Propriétaire Tadoxo, clic droit pour gérer le coffre. Ah, t'as mis ton île en... Comment est-ce qu'on appelle ça? En... mince, j'ai oublié le nom. Et puis il y a encore des trucs là-haut.
T'as mis ton île en jungle, c'est ça? Du coup, t'as des chats et des perroquets qui spawnent. Je vais voir ce qu'il y a tout en haut avec ça, je reviens. En tout cas, très joli pilier en stone. Si je ne m'abuse, c'est une ferme à bois. Ah ouais, t'as divers fermes en fait. Ah bah. Ah oui, t'as carrément des élytras et des fireworks. Oui, c'est vrai, ça marche bien aussi. Et là, c'est encore en construction, à mon avis. Eh, pas mal, eh. Vous progressez vite, n'empêche. T'as combien d'heures de jeu, Tanoxo? Pas très optimisé, par contre, ta ferme. Celle-là, parce que tu peux faire du 2x2. 51? Ah oui. Je dois être à peu près à 30 heures de jeu et colox aussi, donc enfin 30 heures. Quand je dis 30 heures, c'est avec les heures que j'ai perdu sur que j'ai perdu quoi. Donc ouais, ça doit être ça, environ 30 heures. Et donc c'est ça ton coffre de vente. Il m'a dépassé alors qu'il a changé de compte. Ah ouais, d'accord. Tu joues tant que ça, Tanoxo. C'est vrai que je suis avec mon armure en diamant. Je vais l'enlever histoire qu'on puisse profiter de mon skin. Ah bah toi... Yanis. Le chien, il s'appelle Yanis. Why not? Dommage que le serveur soit pas en 1.13 parce que là en dessous t'aurais pu mettre de l'eau avec des algues ou des trucs comme ça. Non non non, garde-le. Vraiment? Bon, c'est juste pour essayer. Et encore non, j'ai pas les permes pour récup. Puis c'est le nombre de perroquets qu'il y a. C'est n'importe quoi. T'as essayé de donner un cookie à un perroquet? Bon, je te le rends après. Hein. Ben, si je misclique. Je l'ai fait. Et puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué avec des élytras. Ah ouais. Aïe. Tellement satisfaisant de jouer avec des élytras. Wow. En tout cas, elle est vraiment très classe votre île. Ah, bonjour Philippe Poutre. Magnifique cola. Attends, je vais te rendre tes élytras, Tanoxo. Hop, merci. Tiens. Merci. D'accord, bah merci beaucoup. Ah oui, mais non. C'est pas ce que je voulais. Ah, j'ai pas encore essayé ça, la pêche. J'en ai pas encore fait. C'est vraiment très classe chez vous, hein, j'adore. Franchement, je pense que je vais m'en inspirer parce que c'est vraiment très joli. Truc random que je sais pas où mettre. D'accord. Ah ouais, punaise, c'est bien trié, c'est bien joli, tout bien. Attendez, je peux aller explorer votre nether? Voir un petit peu à quoi il ressemble. À mon avis, ça doit être l'endroit où vous mettez tous vos minerais, etc. Ouais, c'est ça, putain. C'est abusé.
Oh, punaise, c'est vraiment classe ce que vous faites, hein. Ah bah d'accord. Tu t'amuses, Philippoutre. C'est vraiment très très classe hein, ce que vous faites. Je vais essayer de m'en inspirer. Mais enfin. Du coup, vous êtes à combien d'amélioration de votre île? T'as mis quoi? T'as mis un poisson sur ta tête? C'est n'importe quoi. Oh là là. Mais non, mais je peux pas récup, j'ai pas les perles. 8,68K. Oh, punaise. Bon allez, je vais aller continuer à faire ma cactus. En tout cas, très stylé votre île, je vais essayer de m'en inspirer. Enfin, au moins de faire aussi de la déco sur mon île, parce que voilà, c'est pas trop ça. Et c'est pas fini. Ah oui, j'en doute pas. Bon du coup, va falloir que je voie avec Colox pour détruire tout ça, qu'on le déplace dans le Nether. Ça, ça prendra moins de place. Mais enfin. Là, prio, faire ma cactus. Ah oui d'accord, t'es farm point. Ah oui d'accord. Ah oui non, nous on est à 14k de farm point. En même temps c'est farm point de Colox et les miens. On les met en commun. Comme ça si un jour on a besoin de faire une grosse dépense de farm point, et bah c'est fait. Et encore je joue pas beaucoup. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que contrairement à Tanoxo... Enfin bref, voilà. Tiens, il nous reste que 15 heures de jeu à faire. Wouhou! Alors, slash craft. Oh, problème, souvenir des trucs. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Un chien. Yap, yap. Oh là là. Ah. Hop, on continue. Ah. Je l'ai placé à côté. Un truc qui serait trop classe qu'il faut que je fasse, c'est une statue avec les skins de Colox et de moi. Ça serait vraiment trop classe. Ça serait vraiment beaucoup trop classe. Bon, enfin pour ça, ça va me coûter un petit peu cher. Ah. Les spoof. Bah du coup j'essaie de faire des slabs avec le reste de ce que j'ai en bois. Ça devrait faire l'affaire. De quoi trop? Trop cher. Après le plus cher ça va être la laine hein. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre sur mon skin hein, quand tu regardes. Si je regarde mon armure, il n'y a pas grand chose hein, sur mon skin. Hein. À part quelques trucs, sinon. Bon, ça va vraiment falloir que je change parce que je sais pas d'où ça vient. Sinon, il n'y a pas grand chose. Hein. Après, la laine, c'est simple parce que j'ai des moutons là-haut. Donc, ça va, ce serait plutôt simple à faire. Après, ça va coûter cher en colorant. Oui, ça, c'est sûr. Voilà. Yap yap. Il va me manquer 4, sérieux.
Bon, pour les 4 derniers, je comble avec des planches. Hein. Flemme de refaire des dalles. Voilà. Du coup, nous avons notre belle plateforme pour nos cactus. Alors, par contre, truc que j'avais pas prévu. Non, tu prends deux colorants rouges et on va dire tu mets sur les moutons et tu les coupes. Ah mais oui. Bah oui. J'avais oublié ça, oui, t'as raison. Tu as complètement raison, Tanoxo. Je dis n'importe quoi. J'avais complètement oublié qu'on pouvait faire ça. Mais bah non, en fait, j'ai rien dit. T'as totalement raison. D'ailleurs, faut que je regarde parce que on a des moutons, mais je sais pas où ils sont. Et comme Coloc, ça tuait tous les moutons qu'on avait emprisonnés. Du coup, bah, j'ai plus de moutons. Les chiens, ils tuent les moutons. J'ai vraiment plus de moutons. Ah si, il y en a un. Ouais, il y a un mouton. Génial. Oh là là, ça me fatigue. Ça va me coûter combien, ça? Juste pas aucune idée. Alors, où est-ce que ça en est, ça? Ça a pas mal avancé. Ça a repoussé, mais à vitesse, quoi. Mais enfin, bref. Faut que j'arrête de m'égarer. Faut que je reste focus. Stay focus. Du coup, ça, je vais le ranger là en attendant. Je le referai plus tard. Les pommes de terre. Ça, je vais le vendre. Moi, je vais tout ranger là, comme ça sera plus simple. Si j'ai pas besoin de terre, je vais avoir besoin de sable. Le sable, j'en ai en énorme quantité. Mais pour cela, quoi est-ce que je peux faire? S'il va me falloir faire des murs pour éviter que l'eau touche les blocs barrières, parce que sinon, elle coule pas l'eau. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais en laine, histoire de dire comme ça, je peux faire un cactus en laine histoire de décorer, comme ça j'enferme tout ça dans un énorme cactus en laine. Ou alors ce que je peux faire, c'est juste mettre des blocs au pif et puis rouler jeunesse. Alors je pense que je veux faire, c'est que il y a un truc du cerveau slash AH pas cher. T'as mis quoi? T'as mis quoi dans le slash AH? Ah, Philippe Poutre. D'accord. Oui, si tu veux. Par contre, lui, je vais le tuer. Oh, je l'ai one-shot. Ah, c'est horrible. En plus, il queen quand tu le tapes. Ah, j'aime pas. Mais bon, il tue les moutons. Ça le bait. Ah, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je vais chercher du blé et voir si je peux trouver des moutons. Même si j'en doute parce que Coloc s'amuse à les tuer H24. S'il mange l'herbe. Or, on en a besoin des moutons, on a besoin de laine. Jure, Coloc le traître. Et oui, tue des moutons. Un scandale. Du coup, on n'a plus de moutons. En plus, c'était nos premiers trucs qui avaient spawn. Il est toujours pas là. Non, il regarde le Z-LAN. Enfin, le truc de Zerator, là. Allez, tu viens le mouton. Faut que j'aille par là. Allez, mouton. Allez, allez, allez. Allez, on dit que tu viens. Allez. Tu vas y arriver. Putain, il m'a lâché. Salaud! Oh, oh, tu me suis, c'est bon? You follow me? Vous savez comment est-ce qu'on obtient une laisse ou pas? Ouh, le mouton! Non mais...
Allez. Je grimpe tous les toutes les bestioles sauf le mouton. Ah si, c'est bon. Slime et fil, je crois. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Ouais, je vais voir pour faire ça juste après. Bon, voilà, parfait. On a Novash, notre mouton. Malgré que je sais pas où est passé... Putain, on n'a pas de deuxième mouton, en fait. Pop, pop, pop. Par contre, on a une quantité astronomique de cochons. Qui ne servent pas à grand-chose. Ouais, je sais pas si c'est moi qui lag ou si c'est le serveur, mais... Il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques rollbacks. Enfin, pas de rollback, mais ça lag, tout du moins. Où les mobs ont juste du mal. Les lags qui viennent de temps en temps, c'est ceux qui utilisent WE. World Edit. Ah ok. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent World Edit? C'est légal ça? À moins que ce soit les mecs qui gèrent le serveur. Pour faire farm. Ah d'accord. Bon bah du coup je n'ai aucune idée. On a qu'un seul mouton. Les élites et ultimes, ils ont un World Edit spécial joueur. Ah ok. Ah bah, je savais pas. Toujours bon à savoir. Bon du coup je vais prendre ce qu'il faut pour faire du colorant vert. Pour colorer mon mouton. Histoire d'avoir un petit peu de laine verte. Hop, allez, je veux. Vas-y, fais-moi deux colorants, s'il te plaît. Et de 1. Et de 2. Voilà, parfait. Donc, ah, bon bah parfait, c'est ce que je voulais faire. Mouton vert. Je dois avoir une cisaille, tout juste. Mes premiers laine verte. Je cherchais le mot, je l'ai trouvé. Paf, paf. Voilà. On a fini. Bonne nuit. Non, bah voilà, ça marche pas. Bon, je comblais avec des wood planks, puis je transformerai tout ça en laine verte plus tard. Voilà. Qu'est-ce que... Tu fais quoi? Je fais une ferme cactus. Et donc du coup, j'aimerais faire le contour en laine verte pour faire un beau cactus. Pour la ferme cactus. Sauf que le problème, bah, c'est que j'ai pas de laine verte. Et j'ai pas de mouton aussi. Parce que là, ce qui se passe, c'est que j'ai agrandi ma ferme à... Tu veux en faire une giga grande? Bah oui, de cette taille-là. Et qui va aller sûrement vers une couche très haute. Donc, préférence 256. Enfin, je sais pas, faut que je regarde. Faut que je vois aussi avec Colox. Après, je sais que c'est pas très rentable, mais c'est juste pour le kiff. Hein. Puis après, vu la taille qui va faire mon île. Vas-y, viens. Viens, Philippe Outre. Et par contre, il n'y a pas d'accès direct si t'as pas le fly à la ferme à cactus. Je suis désolé. Hop, comme ça, ça sera plus simple. Hop, hop, j'aurais pas besoin de faire des allers-retours. Quoique, je pourrais faire un trou sur le côté. Hein.
Hop. Donc ça, du coup, je coupe ici. Parfait. Par contre, pourquoi est-ce que là, l'eau n'est pas parfaite? Bizarre ça. Tu veux du colorant? Non, non, c'est bon, t'inquiète, il me faut juste des moutons en fait. Bizarre ça. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce que ça m'a fait? Attends, je vais enlever toute l'eau. Ça, c'est pas normal. Pourquoi c'est des chauves-souris sur mon île? Bizarre. Pourquoi ça m'a fait une source d'eau infinie? C'est pas normal ça. J'ai fait n'importe quoi. Ça a réussi à me faire une source d'eau infinie, d'accord. Why not? Ah voilà, qu'est-ce que je disais, le truc bûcheron est bugué. Je peux me faire de l'XP bûcheron à l'infini. J'ai juste à poser, casser le bloc et puis voilà, j'ai mon XP. Parce que j'ai pas perdu d'XP bûcheron quand j'ai posé mes blocs. C'est pas bug. Ah, c'est normal, c'est interdit. Ah, mais j'en ai pas fait exprès, hein. J'ai juste posé pour enlever la source d'eau. Ok. Sorry, je savais pas. Et je fais pas, hein. Par contre, poser une rangée autour et casser, c'est autorisé. Ok, d'accord. Alors on va bien vérifier histoire que l'eau ne coule pas plus loin. Là on a 9 blocs. Voilà. J'ai pas compris ce que ça m'a fait, ça m'a mis... ça m'a mis une semi-force infinie, j'ai pas tout compris. Voilà. Du coup, ici je vais poser des comment ça s'appelle ça, des compacts, de la glace compactée pour faire notre belle ferme à cactus. Tic tac, tic tac, tic tac. Ah non, c'est bon. Ok, donc il me faut un demi-stack. Donc je pense qu'il va me falloir au moins un stack. Je vais prendre un stack de glace, comme ça on verra plus tard. On sera large pour après. Hop, voilà. Enfin, on sera large. On aura de quoi faire une deuxième rangée, quoi. Du coup, aussi, il me falloir un demi-stack de panneaux. Ah, je fais trop vite. Je pose pas les blocs assez vite. Ah! Chasse. Ok, c'est bon, j'ai ma silk touch sur moi. C'est parfait. Du coup, il va falloir que j'aille me chercher un de mes stacks de panneaux. Mais je suis complètement débile. Voilà, c'est plus rapide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mes panneaux?
ils sont là et là. Donc j'en ai presque un demi-stack, sauf qu'il va m'en falloir plus, donc du coup je vais te faire plus de bois. Faire quelques sticks. Je rafraîche. Où est-ce qu'ils sont les panneaux? Je vais faire à la mano mes panneaux. Bon, je vais me faire une trentaine de panneaux. Voilà. Bonsoir Yukito. Comment ça va? Hop, on continue la petite rangée de panneaux. Voilà. Ensuite, il va me refaire de l'eau. Ah, je sais pas ce qui fait changer l'eau de couleur comme ça. Un peu assez perturbant avec le cycle de la journée qui doit faire ça, ou l'ombrage, je sais pas comment ça se dit, ouais, l'ombre en gros. Voilà, deuxième rangée, c'est reparti pour un tour. Hop hop. Par contre, ces vagues d'eau, c'est ultra bizarre. Regarde l'eau qui se décolle de la slab pour faire des vagues. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer correctement. En gros, vous voyez là, l'eau qui se décolle, c'est ultra bizarre. Voilà. Ah, j'aurais pas assez de panneaux. Slash craft. Je dis slash craft, SVP. Donc. Voilà. Toujours plus de panneaux. Ah, il va faire tout noir. Il refait jour. Ça me fait rire. Bon, à mon avis, j'en ai encore pour un ou deux trucs comme ça. Donc on vérifie. Est-ce que l'eau nous emporte? Oui. Le vent nous emportera. Je repartira, ça c'est du Renault. Je... Oui, pourquoi pas. Ouais, j'adore faire des trucs inutiles. Donc là, en plus, je vois rien. Enfin, je vois rien parce qu'il fait tout noir. Voilà. C'est horrible, un énorme. Si tu veux de la laine, tous les moutons de notre île sont verts. D'accord. Bah merci beaucoup. C'est horrible ça.
En fait, c'est notre île qui fait un blocage de la lumière, regardez. C'est ultra bizarre. Ça se voit encore plus sur l'eau. Mais enfin bref. Et du coup, oui, si vous me mettez les permissions, bah, j'irai farmer un petit peu de vos moutons. Non, j'ai pas le droit. D'accord. Mais non, mais quand je dis farmer, c'est pas les tuer, hein. Je veux juste les couper, hein. Je vais tout remettre en blanc. Oh. Ça va faire des chamailleries dans le groupe. Du coup, ça chope. Je vais reprendre un stack de glace compactée. Yukito qui est pas d'accord avec ça. Allez, du coup faut que j'aille me refaire des panneaux. Du coup je vais aller refarmer du bois. Magnifique soleil. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros. Voilà, voilà. J'ai des pouces qui traînent. Ah, la pizza qui remonte. Désolé, c'est pas très agréable pour vous comme pour moi. On continue de descendre. C'est n'importe quoi les... Franchement, on n'a pas besoin d'être 40 000 sur une île. Hein. Je comprends pas les gens qui veulent toujours recruter les gens comme ça. Un truc que je trouve bizarre, recruter les inconnus pour faire une île Minecraft. Bon, enfin, après, si ça peut aider les gens. Surtout les débutants. Encore, quand c'est par exemple avec 4 pandas là, qui s'est fait recruter sur une île, eux, ils ont des pas mal d'heures de jeu, donc tu as la certitude que c'est au moins quelqu'un de réglo. Alors que là, un débutant, le mec, il peut en avoir rien à faire sur... le serveur et puis juste venir te défoncer ton île. Hein. Bon, enfin bref. Ce n'est que mon avis. Alors par contre là je vais faire chuter les prix des citrouilles et des pastèques. Ils ont déjà perdu 14%. Faudrait que je les stocke au lieu de tout vendre maintenant. Faire un stack de coffre pour stocker toutes les pastèques. Je vais essayer de vendre tous les cactus. Moins 31%. Ah, plus 25% là. Hop, voilà. Oh, c'est tellement satisfaisant. Oh, j'adore. Vous pouvez pas savoir comment c'est trop bien. Ah, j'ai encore cassé une planche. Je fais pas attention, du coup, je casse tout. Mais par contre, oui, ma théorie du
Si tu instant break des blocs, puis tu passes un autre bloc. Un mec nous avait mis les perles sur son île pour que je buie d'une ferme à canne à sucre. On aurait pu piquer son beacon. Ah oui, voilà, c'est... C'est des trucs comme ça que tu me dis, c'est pour ça que j'évite de mettre les perles à n'importe qui. Parce que après... Mais on était trop sympa pour ça. Bah oui. Puis après, tu risques de détruire ta réputation sur le serveur, donc... C'est débile. Ça chope, du coup je vais continuer à vendre. Un 19 unités. C'est trop méchant aussi. Bah oui, ça se fait pas. Le mec il vous fait confiance pour que vous construisiez quelque chose et à la place vous lui piquez ses affaires. Ouais, ça c'est pas réglo. Il y a des gens qui viennent de MP. Oh mais le champ de citrouille qui prend 2 secondes à se péter, c'est tellement satisfaisant. Oui, je répète depuis le début. Et alors? Voilà. Du coup, on retourne en bas. Ah bah non, déjà, il faut déjà que je crafte des panneaux. Il va au moins me falloir 2 stacks de panneaux. Je vais faire une masse de bois. Voilà, parfait. Ensuite, on va refresh tout ça. Et on va faire 32 panneaux. Non, je crois qu'il m'en faut 16 pour faire 32 panneaux. Je sais pas. Voilà, j'ai 30 panneaux. J'ai 60 panneaux. Il va m'en manquer 4. 63. 64. Bon, et un petit peu de RAM. Enfin, là, du coup, on a notre stack de panneaux. On va pouvoir continuer la ferme à cactus. C'est quoi là? Mince. Voilà. C'est quoi là? Nous sommes partis. Du coup, on va continuer ça. Il y a beaucoup de panneaux. Oui, il y a beaucoup de panneaux. Et j'en ai besoin pour ma ferme à cactus. En gros, j'en ai besoin de 2 stacks, de 1,5 stack, pardon. Et parce que ces stacks de panneaux, ils se stackent par 16. C'est en gros 1,5 stack par rangée. Donc oui, à force, ça fait un peu cher en panneaux. Bon, enfin, ça va, le panneau, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. En vrai, imagine si les seaux, ils étaient à usage unique. Ça serait tellement relou. Là, je me concentre histoire de bien voir la jointure de l'eau. Là, vous ne devez rien voir sur le live, ça va être horrible. Je suis désolé. Voilà, ça va être mieux. Et voilà, on arrive où? On arrive juste là. Et c'est parfait. Du coup, on aura juste à placer le hopper ici. Voilà, parfait. Du coup, là... Bon bah dommage, j'ai perdu une slab. Là, je mets de la glace. Hop, on continue. Allez, 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 encore. C'est un peu long. Les 32... de glace. C'est plus rapide à poser que les panneaux, la glace. Heureusement qu'on peut pas se déco avec clic droit. Tanuxo.
Et ensuite, je vais rajouter de l'eau là. Que du coup, il faut que je remplisse la rangée ici. Et j'avais du crack. What the fuck? Donc voilà. Ouais mais non. Je réfléchis à ça. Parce que les cactus qui vont tomber là, bah ils vont pas être renvoyés. À moins qu'ils rentrent dans un stack, ouais mais ils risquent de stopper des stacks. Et je peux pas construire plus bas je crois. Là ouais, là je crois que je suis au plus bas possible pour construire. Ouais c'est ça. Ah mince, ça c'était pas prévu. Comment est-ce que je peux faire? Bon après c'est pas très grave, à mon avis la perte sera pas énorme. Du coup, je vais juste continuer. Non. Ouais, je sais pas trop. Du coup je sais qu'il va y avoir des pertes, mais est-ce que la perte sera supérieure ou inférieure, je sais pas. Bon, faudrait que je continue, mais le problème c'est que je veux descendre la ferme à canne à sucre, et le problème c'est que du coup ben, ça risque de prendre trop de place. Après, je peux mettre une rangée de hoppers, mais ça risque de coûter cher. Je sais pas. Je réfléchis à ça. Je sais pas comment faire. Ouais, bah écoutez, on va mettre la glace. Hein. Non, pas chapa. Je vais prendre 3 ou 4 trucs de glace. Non. Voilà, je dis 3 ou 4, j'en prends 5. Du coup, les panneaux ne seront pas trop en fait. Et... Ah. Ah bah d'accord. Je suis tombé trop bas. Allez, dites-moi que je peux faire de panneaux. Non, ils veulent pas. Du coup, je vais devoir le craft à la mano. Ah, c'est un scandale. Du coup, je vais casser cette ferme à cactus, puis je vais les déplacer tout en bas. Voilà. Pose ça là, et ensuite le seau d'eau, et on est bon. Ouais, même un petit peu trop grand en fait. Ouais, c'est pas grave, on va mettre le hopper là. C'est pas très très grave. Ouais, du coup, ouais, non, c'est pas grave en fait. Parce que du coup, les trucs qui vont tomber là, ils vont directement arriver là-bas. Donc c'est bon, c'est pas grave, c'est rien du tout. Je vais pouvoir bloquer ici et du coup là mettre le hopper juste à l'endroit où il y a l'eau ici, et mettre des coffres ici si j'ai des coffres. Or je n'ai pas de coffre du coup, je fais deux coffres et j'ai du mal à craft. Voilà, et ensuite, non, le hopper. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à construire la fameuse ferme, c'est-à-dire tout le reste.
Je vais aller récupérer le cactus qui traîne là-haut. Voilà, c'est parti. Pour cela, on va juste détruire ça. Ça va récupérer le cactus. Et j'aurai juste à récupérer le sable après. Ah. Il y a aussi les barrières. C'était pas prévu. Du coup, je vais détruire les barrières avec. Hop. Ça me fait rire. Voir un cactus tomber comme ça. Voilà, on continue. Je vais avoir plein de bordel dans mes coffres. Enfin, dans mon coffre à cactus pour l'instant. Quoique non, ça devrait aller. Parce que du coup, tout ce que je casse en fait est bloqué. Parce que comme il n'y a plus d'eau, bah du coup c'est Keblo. C'est Keblo, ouais. Oh, je me fatigue moi-même. Ça va être long à construire. Et du coup, il va falloir que je construise une plateforme. Attends, je vais direct tout reboucher ici, ça ira plus vite. Ça, j'aurai plus de problème d'eau. Voilà, merci. Du coup, je vais casser les panneaux. Il n'y a pas de panneaux. Je vais reboucher l'eau. Mais non, l'eau est ici en fait. Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est l'eau. Elle est où? Elle est ici, non? Je sais pas. Ah mais non, c'est bon, je sais en fait. Je suis juste trop bête. En fait, j'avais fait couler l'eau. Du coup, si je coupe l'eau ici, il n'y a plus d'eau. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Non, enfin bref. Du coup, j'ai masse truc qui traîne ici. Nous continuâmes ainsi notre belle dégommage de ferme à cactus périmée pour en reconstruire une plus grande. Après tout, c'est souvent comme ça, hein, quand on détruit quelque chose pour construire un autre truc plus gros. N'est-ce pas l'Amérique? Cette vanne n'était pas du tout ciblée. Ah là là, je me reconnais ici. De quoi tu te reconnais ici, Pandem? Détruire ce qu'il y a de petit pour reconstruire quelque chose de plus gros, c'est ça? Quand c'est une petite forme avec un sucre, full auto. Ah ok. Et aujourd'hui, elle fait 400 blocs de haut, c'est ça? J'en ferai une 50 fois plus grand. Voilà, j'avais quasiment raison. Du coup, faut que j'aille chercher ma pelle pour récolter le sable. Je l'ai rangé quelque part par là. F4. Il y a ce bordel que j'ai dans mon inventaire. C'est un bordel! Hop, on détruit tout ça.
Yep. Colloque, il va pas reconnaître l'île. Il va pas comprendre. Il va dire, qu'est-ce que t'as fait de l'île? Je suis parti une journée, elle a changé de tête. Enfin, une journée, je dis ça, ça se trouve. Les Zedlan, ça dure combien de temps environ? Si vous y connaissez. Comme ça, on aura une approximation de quand est-ce que Colox va revenir. C'est sur plusieurs jours. Eh merde. Bon bah. Je sais pas quand est-ce que ça se termine, mais à mon avis, on n'aura pas Colox pendant encore au moins 2-3 jours. Mais ce soir, je pense que c'est fini vers minuit. Ah, ok, d'accord. Bon, bah voilà. Minuit, 1h max, Colox est là, normalement. À moins qu'il ne puisse pas venir ce soir et que du coup, il sera là demain. Normalement. Oui, parce qu'il me semble que c'est sur une semaine ou un truc dans le genre. Si je me souviens bien. Voilà. Ouais, bah c'est mon inventaire qui est plein. Du coup, je peux pas récupérer parce que je récupère. Pas besoin de bouffe comme ça. Je n'ai pas besoin de ça. Poubelle. Ah non, poubelle, pas poubelle, mais direction la vente, histoire de récupérer un petit peu d'argent quand même. Oui, je divague beaucoup. On continue de casser cette belle petite ferme. Qui nous aurait été bien utile quand même et qui aujourd'hui va être remplacé par une forme plus efficace, sa grande sœur. Hop, on récupère tout, comme ça on n'a pas de perte. On récupère la glace. Ah, ça s'instant de break, ça c'est cool, ça c'est une good news. Pourquoi est-ce qu'il y a de la glace ici? J'ai les glaces vraiment partout ici. Bah voilà, maintenant on va falloir reconstruire l'île. Mais on verra ça plus tard. J'ai un petit peu la flemme pour l'instant. Je vais poser le bois que j'ai, récupérer les slabs et on va commencer. Je vais dire continuer, non. Enfin oui, continuer. Ferme à cactus. Je vais essayer de finir le premier étage déjà, ça sera bien. Non, c'est pas là, les loot de mobs, c'est là. Pof, 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 du coup je vais aller ranger le blé, comme j'en ai plus besoin. Quoique, je vais aller voir s'il n'y a pas un mouton qui a spawn, au cas où. Malgré que je sais pas s'il y en a. Ah oui, il y en a un, parfait. Au moment où je dis ça, j'en vois un. Allez, viens là, mon beau. Tu vas devenir tout vert. Il y a un petit homme vert. Là, c'est un mouton, lol. Oh, sérieusement? C'est une blague. Attendez. C'est une bête de blague. J'ai encore perdu un mouton à cause d'un putain de loup. Ah, ça me saoule. Allez, vous crevez parce que là je vais me venger. Venger sur les vaches. Donnez-moi un mouton. Non mais tuez des cows. De là, ah, Shader qui fait un
Shader qui a un peu de mal. Ouais, il a un peu de mal. Oh, un lapin. J'en avais pas encore vu. Là, c'est une vache, un mouton, une poule. Non, pas de mouton, c'est des vaches et une cochon. Encore des loups, mais putain, crevez. Bouffez tous mes moutons, saloperie. Parce qu'on était en biome forêt. Pour ça qu'il y avait pas de moutons et beaucoup de loups. Oh là, c'est n'importe quoi. Ah, ça me fatigue ça. Du coup, ben, on se retrouve encore avec un seul mouton. Punaise. Ça me fatigue. Ah, punaise, pas vrai. Du coup, je vais aller poser un petit peu ce que j'ai dans mon inventaire. J'ai beaucoup de bois. Du bois, du bois. Vous, j'ai pas besoin. Du bois. Encore du bois. Je viendrai récupérer les clôtures après parce que je risque d'en avoir besoin. Le sable, c'est pareil. Je vais juste garder les slabs pour l'instant. Toi, ça dégage. Je vais mettre ça là. Tout ça, pareil. Et je vais ranger ça ici. Oh là là, mais mon dieu, la pizza qui... Ah, du mal à passer, excusez-moi. Le blé, je le mets là. Toi, je te mets là. Je récupère les slabs. Et on sera bon. Du coup, on va aller... Jean-Timang. Jean-Timang et Polymang. Construire notre belle ferme à cactus. Du coup... C'est reparti pour la construction. Voilà. Et ensuite, il faut juste que je regarde, parce que je vais pas me casser le cul à tout construire. Du coup, il faut que je pose là. Voilà. Et comme je peux fly, du coup, c'est plus simple. Une oreille qui me fait mal. Ah. Attendez. Voilà. Ça, j'ai réglé ça. C'est parfait. Hop, petit autre rang. On continue. Allez. Ah oh là là, je peux avoir assez. Je ne vais point avoir assez. En même temps, un demi-stack par rangée, ça fait beaucoup quand même. Hop, du coup, je vais devoir aller rechercher des slabs. Il y a encore des loups qui traînent. Vraiment. Là, j'ai entendu un chien grogner. J'espère que c'est les miens. Hein. Et c'est encore un putain de loup qui tue mes moutons. Ah, je vais pas être d'accord. Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un cheval. C'est un chevaux. Bon, bref, reprenons des slabs. Spr-
spruce lab, spruce lab. Je vais prendre encore un petit peu de spruce. Là ensuite c'est du dark oak. Je vais essayer de faire un petit peu de cohérence quand même dans les builds. Ça serait gentil. Ça serait gentil. Ça serait plutôt cool. Oh bah. Je suis encore tombé. Ah. Ah oui, pourquoi est-ce qu'il flag plus lui? D'accord, j'ai pas compris. Hop. Hop, du coup, un mistake de consommer. Hop, on continue. Le pire, ça va être pour poser les barrières. Parce qu'il va falloir que je pose des blocs au-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Au-dessus du sable. Il va falloir que je pose deux blocs. Qu'ensuite, je casse tous les blocs parce que je vais avoir posé des barrières. Ouais, bah je crois que je vais faire un étage pour l'instant à faire ma cactus. Hein. Pour le reste, on verra plus tard. Craft, on va faire un stack de slab si vous en faites 6, c'est parfait, toujours plus. Du coup là il devrait me rester une slab, un truc dans le genre, même pas plus, j'ai rien dit. Allez, on y va. Salut. Oh là là. Je me mets à lire le chat, ça va pas bien moi. Nani. Bon bah voilà. Du coup, toi, tu sers à rien. C'est parti, on y retourne. Et voilà. Alors, oui, j'aimerais bien pouvoir poser le bloc là où je veux. Parce que je vois rien à cause des reflets. Pourquoi est-ce qu'il fait si sombre? Punaise. L'ombre, enfin, Shader a du mal avec l'ombre. C'est bizarre. Ah là 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 là. Du coup, je dois avoir du sable ici, tout juste. Un petit peu de cactus. Bah, du coup, je vais prendre tout le cactus. Non, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai juste besoin du sable et de spruce. Je vais juste prendre beaucoup de sable. Voilà, merci. Je crois que j'en ai pris un petit peu beaucoup, mais bon. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Enfin, pour le sable, tout du moins. Du coup, faut que je commence ici. Hop, on y va. Ah, mais c'est parfait. Ah, bah non, c'est pas parfait. Faudrait que je rajoute un bloc. Parce que du coup, là, je perds deux blocs. Faudrait que je rajoute d'un bloc de côté. Bon, bah, petite erreur de conception. Entièrement de ma faute. Même ça sert à rien ce que je fais parce que du coup, ouais. Ouais, bah c'est. Voilà, je fais nimp. J'ai fait n'importe quoi. Ah là là. Comme d'habitude.
je ne sais pas calculer. Du coup, je vais devoir tout refaire. Alors, quoi que non, ça va. Bonsoir Philippe Outre. Qu'est-ce que tu fais? T'as de la laine pour moi? Vas-y, lance échange. Attends. Merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup. Du coup, je vais tout de suite tout changer en laine. Du coup, merci. Ah, je vais changer tout ce que je peux changer en laine. Merci beaucoup. Hop, on y va. Encore merci beaucoup pour toute la laine. C'est très gentil. Yap. Voilà. Là, c'est parfait. C'est parfait. Juste hop. Tu t'amuses? Voilà, ensuite il faut encore, je peux encore en ajouter 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Apprends à compter avec deux algos. Ouais. Pardon. Je m'emporte un peu. Ah, merci beaucoup. Ah là là. Du coup, il va falloir que je rachète 1, 2, 3, 4. 4 de glace, si je ne m'abuse. Pof. 2, 3, 4. Voilà, parfait. Attention, on ne va pas tomber dans le vide. Hop. Ensuite, l'autre, il est là. Et il va juste falloir que je rajoute des panneaux. Pour cela, bah, je vais les faire sur place. Non. Bon. C'est pas grave, je vais remonter. Je vais aller chercher vite fait. Je sais pas s'il m'en reste. Oui, il m'en reste. Tout pile le nombre en plus, il me semble. Hop, on y retourne. Premier panneau. Deuxième panneau. Troisième panneau. Quatrième panneau. Super. Maintenant, il faut juste que je remette à jour l'eau. Oui, je fais une mise à jour de l'eau. C'est un nouveau DLC. Ah là là. Ouais, carrément, en fait, là, j'ai tout foiré. Ouais, c'est mieux. Voilà, elle est belle, toute uniforme. Parfait, merci beaucoup. Voilà, ça sera mieux comme ça. Par contre, je pense qu'il serait peut-être mieux que je fasse les. Attends, j'ai un stand break. Ouais, j'ai un stand break. Non, j'ai rien dit. Parce que, en gros, ce que je comptais faire, c'est faire les trois blocs de hauteur avec du sable. Que le problème, c'est que comme j'ai un stand break le sable. Quoi que. Non, attendez. Si je me mets là et que je fais ça. Ouais, bon, je sais pas, je vais voir. Je vais voir plus tard. Yep. Au pire, si j'ai pas assez de sable pour la finir,
Bon, je continuerai plus tard. Je vais déjà finir ce que j'ai comme ce qui me. J'ai essayé de finir déjà ce que je peux avec le sable que j'ai. Et je verrai plus tard pour la finir encore plus. Yop, yop, yop. Toujours plus de sable. Hop. Allez, d'accord, ça marche pas. Dommage. J'aurais essayé. Hop, encore et encore du sable. Misclic. Voilà. On continue, on y est presque. Bon, non, en fait, j'ai rien dit. Le sable, je vais pas en manquer. Ça, parce que comme il m'en faut 16 par rangée, à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Alors ça, par contre, ça, c'est extrêmement chiant. Le fait que la lumière change par rapport à ta position ou la position du soleil. C'est logique. C'est logique ce que je dis, mais c'est un peu chiant. Voilà. Du coup, on va continuer. Non. Qu'est-ce qu'il fait là? Toujours un poulet qui traîne par là. Je sais pas où il tombe. Mais il tombe. Hop, on va continuer. Nya. Voilà, parfait. Hop, on continue toujours encore plus. Et j'en ai mis clic plein. Parce que je suis pas ratentif. Oh, j'ai fait un trait d'union. Attentif, ratentif. Oh oh. Pardon. C'est un Pokémon ça, ratentif. Oh là, je sais pas d'où je sors ça. Ah. Bon, j'ai beau dire ça, mais bon, le sable, ça m'en consomme quand même pas mal. Allez, on est à 11 heures de jeu. Colox va vraiment falloir qu'il se dépêche, hein. Parce qu'on va avoir passé diamant que lui, il aura même pas encore fini, hein. Bon, ça va, il a encore 14 heures pour passer diamant. Donc ça va, je crois qu'il est large. Donc. Du coup, il va me falloir des barrières. Pour ça, une seule façon, le saut de vide. Voilà. Putain, mais il y a encore un chien là, je vous jure, j'ai encore entendu un chien grenier. Là! Saloperie, qu'est-ce que tu fais là? J'ai tué un poulet avec, putain. Mais les chiens, ça spawn pas dans les biomes. Spawn pas dans les biomes. J'ai 22 heures de jeu, 22 heures de build. Ah! Ah oui. Ah non, moi je fais un peu de tout. Alors là j'ai surtout farm. Depuis que j'ai repris j'ai vraiment farm parce que là je suis bientôt niveau diamant. J'étais à 8 heures de jeu je crois. Et là du coup ouais. Mais attends ça me stresse. Y a pas un moyen d'obtenir des trucs pour faire spawn des animaux? C'est grâce à moi qu'ils ont une belle île. Ah bah merci Yukito. Spawner de moutons. Quoi, tu es 10 000 moutons, 50 000 moutons crus et 1 million d'argent. Ouais, ça coûte vachement cher hein, quand même. Non, c'est un mytho. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Hein, j'ai pas les preuves. Oh là, c'est pas vrai.
Du coup, on prend des barrières. On va en faire d'autres, des barrières. J'ai encore du spruce qui traîne. J'ai la musique qui s'est coupée. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? D'accord, il me mentionne tour à rien. Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau jeu. J'ai entendu un ting. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe Poutre? C'est moi, j'ai tout fait. Ah bah d'accord. Ah bah encore merci, Philippe Poutre. Oui, je voulais vous remettre de la musique. C'est juste là. Ah, c'est CutCut qui nous dit que je vais avoir du choix niveau jeu. Voilà, c'est pas mal. Menteur! Tu n'es qu'un menteur, mauvais joueur! Ça me fait penser à ce même. Du coup, je vais jeter ça. Ça sert à rien. T'as 10 ans, tu parles, Yukito. Philippe Poutre, votre fournisseur de laine depuis 2021. On voit plus. Ah merde! J'ai oublié de vous remettre. Excusez-moi. Ça arrive. Voilà. Pas très attentif, un peu fatigué, sorry. Oh, faut que j'arrête avec ratentif. J'ai même pas assez de stick. Bon voilà, on va aller faire déjà. Eh mais faut payer. Eh non. D'abord, moi je vous offre mon gameplay. Hein. Donc pour moi c'est gratuit, d'accord? Non mais pour qui il se prend celui-là? En vrai je pourrais juste en faire un sur deux parce que du coup là je pose. Là je pose des deux côtés. Voilà, ce sera encore plus simple. Tiens, je me suis fait piquer par un truc sur le doigt là, ça me gratte. Oui, j'ai toujours des problèmes. Et moi je t'offre mon follow. C'est vrai, c'est vrai. Enfin un call sub hein. Ah oui non c'est après moi qu'on attend, merde. Ah mais vraiment il y a un truc qui me pique là, ou comment ça se passe? Bon, du coup vous en pensez quoi des nouveaux messages du bot? Me sub quand là? Bah quand je pourrais être affilié, c'est à dire je ne sais pas quand là. Je ne peux pas vous donner de date tout simplement parce que bah on ne m'a pas donné de date, donc bah, je peux pas vous aider. Faut que je vois ça avec mon notaire, vous savez, avec mon communicateur, enfin bref. Ça veut rien dire, mon communicateur, c'est mon agent, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Vous comprenez, je suis overbooké. J'ai pas votre temps, moi. Oh là là. Ah, mon œil qui me gratte. Ah et on y va. Toujours plus loin. Enfin déjà, j'ai deux bonnes nouvelles, c'est la webcam qui arrive bientôt, d'ici une à deux semaines, ça je peux vous le dire, et un nouveau micro, normalement d'ici la rentrée scolaire. Et ça, c'est cool. Voilà, ça compense, on va dire.
Parce que je sais que mon micro est vraiment dégueulasse, je m'en excuse encore une fois. Mais bon, je fais avec un vieux casque micro de ce qu'on peut. Mais là, le nouveau micro devrait arriver normalement d'ici la rentrée. Et vous verrez, ça sera parfait là. Enfin, parfait. Vous aurez un meilleur son déjà. Ce sera mieux pour vos oreilles. Et après, la webcam, bah, c'est du bonus. Parce que le problème, c'est que je fais beaucoup de mimiques avec mes bras. Par exemple, de temps en temps, je fais des blagues ou quoi. Enfin, quand je fais des blagues, je bouge mes bras, etc. Sauf que le problème, c'est que vous voyez pas. Du coup, bah, ça sert un peu à rien. Donc, autant en profiter et mettre une caméra comme ça. Ouais. Vous verrez mon magnifique faciès déjà. Erwin sort ce corps. Et mes gestes, mes mouvements de bras. Vous verrez. Vous verrez comme je suis une divinité de l'Olympe. Il me faut la laine rouge maintenant. Ah! Et bah, bonne chance, hein! Après, vous pouvez faire plusieurs champs même. Plusieurs étables, avec différentes couleurs. Il a tout piqué. D'accord. Ah, mais tu vois, c'est pour moi. Comprends, service rendu à la nation, tu comprends. Livraison dans les prochaines minutes. Ah, bah, c'est super ça, merci beaucoup. Et mon livreur attitré maintenant. Hop, on continue de planter les choux à la mode de chez nous. Non, c'est pas ça. De poser les barrières. Bon, en vrai, je vais manquer de barrières, mais bon. Je devrais pas en manquer de grand chose. Il va genre me manquer un ou deux stacks, ça devrait faire l'affaire. Vous voulez rire, les fermes à cactus, c'est ce que j'ai fait le plus. Ah, j'espère avoir bien réussi à couper le son. Excusez-moi, je viens d'éternuer. Ouais. Allez, je commence à avoir les réflexes de me mute quand je vais éternuer. J'espère mettre mute. Ce serait dommage que j'ai raté le coche. Enfin, ce que je disais, c'est que les fermes à cactus, c'est ce que j'ai le plus fait dans ma vie de Minecraftien. Parce que personnellement, pour moi, c'est quelque chose de basique que j'aimais faire, parce que, bah voilà. C'est des motifs qui se répètent, et du coup, c'est rigolo drôle à faire. Aïe. Ça, c'est un misclic. Ouais. On va manquer de clôture. Mais enfin. Je suis débile. Je vais déjà détruire tout ce que j'ai construit là. Philippoud craft de la laine, on a masse fil. Ah mais est-ce que vous avez masse color en vert, hein? Ça c'est une question. Et pour ça il vous faut masse cactus. Et moi, j'ai masse cactus, donc si vous voulez faire un échange bon procédé, je vous vends la matière première, vous me revendez la laine, on fait comme ça, hein. Je déconne. Tu l'achètes. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. T'as 620K, j'ai 25K. Ça fait pas beaucoup. On m'a give 1 million. Ah oui, oui, bon, ça va. C'est Pandam qui m'avait donné 500 000 au début, enfin cet après-midi, pour que j'achète le Nether. Parce qu'il nous manquait 500 000. Du coup, il m'a dit, bah tiens, voilà, il te manque plus d'argent. Je fais, bah d'accord, merci beaucoup. Moi, 4 millions. Allez, ça va, ça va être un concours de à qui est la plus grosse, c'est ça? Et bon, on m'a donné 40 millions. Ah bah, merci pour ton dollar, Pandam. C'est moi. J'ai payé l'agrandissement de l'île 500K. C'est moi.
vous allez tous me donner de l'argent comme ça. Mais... vous êtes sérieux? Mais... qu'est-ce que vous faites? C'est très gentil, merci. Oh, sans pile. Qu'est-ce que... Pardon. Merci beaucoup. J'ai pas un million. Rip. Oh mais non, mais Pandam. Il triche. Easy. Au secours. Mais... bon bah je vais agrandir mon île. Merde. C'est slash île paramètre. Non, c'est pas les paramètres. Ah. Ah merci. Merci beaucoup. J'ai pas de thune moi. Ben merci, merci beaucoup tout le monde, vous êtes très gentil. C'est très très gentil. Ben attendez, du coup, ben je vais payer l'amélioration de mon deal. Hein. Upgrade, non. Amélioration. Moi non plus, je suis pauvre. Pauvre, pauvre. Eh, ça va, c'est que 250 000. Eh, ça va largement. Du coup, voilà, on a une plus grande île. Et attendez, c'est pas encore fini. Je crois que je peux... Oui. Je peux prendre le niveau 4 à 500 000. Moi, je suis SDF depuis le début, donc... Je suis ruiné. On est deux maintenant. T'as eu 11 euros de ma part. Ah, j'ai pas vu, merci. Coucou lui que j'ai payé. Bon bah voilà. Maintenant grâce à votre argent j'ai pu encore améliorer la taille de l'île. Merci beaucoup. Oh là là. Du coup je vais pouvoir régler le bug de l'eau qui coule pas là. T'as la même taille que nous. Ah bah d'accord. Bah ça fait. Merci beaucoup. Du coup j'ai déposé tout ce que j'ai en banque du coup. On va upgrade. Ah. Et la bonne upgrade hein. Du coup mes farm points je suis aussi tout déposé. Voilà. Et j'étais parti chercher à prendre des cactus sauf que je les ai oubliés. Voilà, ça c'est fait. Moi j'ai upgrade 10 millions avant-hier. Ah oui. Ouais bon on joue pas dans le même cours. oui mince du coup faut que je détruise tout ça. Nous n'avons pas les mêmes valeurs voyons. Ah là là, c'est génial. Pour du 300 x 300. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, quand même. Ah oui, c'est un peu grand. Là, je suis en 125 x 125, je crois. Colox qui va rien comprendre quand il va revenir. On va avoir débloqué le Nether, une île en 125 x 125. Il va rien comprendre. Ah, c'est génial. Et on est presque à 100 000 d'XP aussi dans la banque. Ah là là, ça monte, ça monte, ça monte. C'est génial. Ah là là. C'est trop bien. Je vous adore. Merci beaucoup. C'est adorable. Encore de la laine.
Eh mais attends, mais non, j'ai mon inventaire qui est plein. Mais non, tu vas pas pouvoir me donner des trucs, j'ai mon inventaire qui est plein. Excuse-moi, attends. Je finis ce que je suis en train de faire, je pose les cactus et je te relance l'échange. Parce que là, mon inventaire est plein, du coup, tu vas rien pouvoir me donner. Du coup, ça s'arrête ici. Hop, voilà. Du coup, bah, je vais avoir fini mon premier étage de ma ferme. Merci beaucoup. Je vais aussi remplacer tout le bois qui est sur les côtés en laine. Ce sera mieux. Yep. Ah, du coup, je vais pouvoir vraiment lui donner une forme de cactus à ma ferme. Parce que là, du coup, comme je l'ai agrandi, je vais pouvoir mettre les points noirs dessus pour faire les pics des cactus. Enfin, faudrait que je regarde un petit peu le design du cactus pour voir où mettre les pics. Ou alors je les mets au pif, mais je crois que je crains que ça fasse pas beau si je les mets au hasard. Mais enfin, on verra bien. Du coup, voilà, je finis de casser toutes les slabs. Ça va permettre de voir en même temps s'il y a des trucs qui bug ou pas. Enfin, des bugs. C'est s'il y a des trucs qui restent bloqués à des endroits. Parce que comme je peux pas récupérer les slabs, je crois. Maintenant, ils sont là-dedans. Ouais, c'est ça. Ils arrivent progressivement. Hop, du coup, on va poser les cactus. Qui vont pouvoir pousser et nous produire une quantité astronomique de cactus. Aïe, ça fait mal, c'est pas agréable. Aïe, j'avais pas remarqué, mais ils ont changé les points des cactus de noir à blanc. Je viens de remarquer ça sur le nouveau pack de textures Minecraft de base 1.16. Je sais même pas d'ailleurs quand est-ce qu'ils ont refait les textures. Bon, ils étaient plus tout jeunes les textures, donc bon, c'est vrai que les nouvelles sont quand même plus sympas, hein. On va pas se le cacher, hein. Voilà, on construit tranquillement. Ah là là, c'est tellement satisfaisant. Les anciennes, les meilleures. C'est discutable, hein. Personnellement, ça me pique un peu les yeux, donc bon, voilà quoi. Et oui, si tu veux. Après, chacun ses goûts, hein. Ah, ça dépose que 1 sur 2. Yop. On continue, toujours plus loin, toujours à banane, toujours debout. Et voilà. Bon, du coup, il va me manquer des barrières. Du coup, je vais mettre le cactus ici. Je vais enlever celui-là de ma main. Sinon, je vais encore faire des conneries. Et je vais aller poser le reste ici de la laine que tu m'as donnée. Ma gentiman offert. Ouais, bon, du coup, je perds du bois, mais bon, c'est pas très très grave. Je crois que j'ai vu un peu grand. J'allais le casser, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave s'il dépasse. Bah voilà!
J'ai avoir fait tout le tour. Merci beaucoup, Philippoute, c'est très gentil. Grâce à toi, je vais avoir fait le tour de ma ferme à cactus avec de la laine verte. Hop. Alors, je sais pas si vous avez vu le best-of, mais à chaque fois que j'entends cette musique-là, j'entends encore les pings du mec qui arrêtait pas de me ping en début de partie sur LoL. Bah, en gros, tu vois, sur la partie de LoL, au début, je me fais ping par le mec de malade. Et donc, du coup, à chaque fois que j'entends la musique là qui est en fond, à chaque fois, ça me fait j'entends les pings du mec. C'est un truc que je hais, ça. C'est les gens qui pingent mal comme ça me fatigue. Et en plus, Colox, il aime bien jouer sur ça parce qu'il sait que j'aime pas que ça me trigger. PDDR, il est forcé de ouf. Ah bah oui. Et en plus, on était que des Français, c'était génial. Enfin, du coup, je me suis bien amusé avec Colox à le monter, celui-là. On a bien rigolé. Ah, je me suis fait mal. Voilà, premier étage terminé. Un premier étage de laine. Et tout ça est grâce à toi, Philippoutre. Merci. Ça continue de grimper. Je vais faire un skyscraper en laine. C'est un gratte-ciel pour les non-anglophones. C'est aussi un petit tycoon Roblox. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est juste qu'il y a quelques temps, je me suis regardé la vidéo de Dark Heaven sur le tycoon skyscraper de Roblox. J'ai oublié un bloc. Qui achète citrouille déjà? Moi. C'est moi. Je viens de me gratter le cou. Là, je continue à avancer pour poser des blocs de laine verte. Histoire de faire de cette ferme un magnifique gros cactus. Ah, j'ai mis clic. Ouais. Putain, la pizza est mal passée là. On y arrive. Oh, on aura presque fait deux tours. C'est parfait ça. Encore merci Philippoutre. Du coup, je vais faire des barrières. Comme c'est ce qui me manque. Je vais voir s'il n'y a pas un mouton qui traîne par le plus grand des hasards. Mais oui, il y a un mouton qui traîne. Il y en a même trois. Oh, il y en a trois. Pardon. Voilà. Il y a des moments où je prends des mimiques de vidéos. Je sais pas pourquoi. Genre là, si vous avez reconnu, c'est le moment où... dans les vidéos, il a pris un. Son dernier truc, c'est quoi, c'est les réunions, je crois. Le prix de la laine verte après le build stonks. Ah bon? Allez, tu rentres. Alors non. Hop, merci. Il est où le mouton vert? Il est où? Ah, il est là. J'avais perdu le mouton vert. Par contre, je vais tuer les vaches. Bon, vous m'excuserez, hein, je fais un petit génocide de vache, mais... Vas-y, tépais-toi, Yukito. Viens voir cette belle île. Cette belle île. Allez, par contre, tu peux pas bouger d'ici. J'ai pas fait d'escalier. Ah oui, non, c'est bon, t'as des échelles, là. T'as des échelles, là. Voilà. Par contre, fais attention de pas tomber, hein. Parce que si tu tombes, bah, tu peux plus remonter. Voici notre magnifique petit petite île. Hop, on récupère toutes les citrouilles. Je vais peut-être aller me vider avant. Je vais aller me vider dans un coffre.
dans un autre coffre à part, où comme ça j'aurai déjà tout de près. J'aurai juste à le reprendre pour recommencer à build. Voilà, parfait. Du coup, ça je le range, ça je le range, ça je range. Et je vais aller casser les citrouilles. Allez, pas sec. Je me perds dans les mots, dans les noms. Hop. Waouh. Je fais un assaut de pastèque. Ah bah, niveau 18 fermier, non! Viens là, je t'en supplie. Ok, je l'ai eu. M'en fous, je l'ai eu. Pfff. Un peu plus et je le perdais. Ah. C'est tellement satisfaisant d'instant break toutes ces récoltes. Et voir que ça repousse en l'espace d'une seconde aussi. Voilà. Hop, on continue de péter ces magnifiques citrouilles. On passe au pastèque. Ah, c'est bio ça. On dirait mon ancienne farm. Ouais, maintenant la tienne a fait 40 blocs, 40 km de blocs de loin, c'est ça, hein, de largeur. C'est quoi, c'est shop. Je cherchais le mot. Pastèques qui valent rien. Pareil pour les citrouilles. Je les vends un quart de leur prix. Faut que je fasse des coffres pour les ranger. Là, ça m'évitera de les tout vendre d'un coup et de faire chuter le prix. Du coup, je sais qu'il y a des coffres ici. Je vais aller poser quelques coffres. Comme ça et comme ça. Du coup, la tour de bloc, tu vas regretter si tu veux faire une belle île. Ouais, je sais, va falloir que je la casse avec avec Colox puis qu'on la déplace. On va la mettre dans le Nether, t'inquiète. Et puis en plus, nous, elle va jusqu'à la couche 256, hein. Et du coup, je vais commencer à la casser. Je vais la déplacer comme ça. Tu vois, de toute façon, faut juste que j'attende que le cactus pousse un peu. Voilà. Maintenant qu'on a le Nether, ça sera mieux. Par contre, il faut que je fasse attention de ne pas faire tomber des blocs et de pas en perdre. Genre comme ça. Mais nous, il y avait plusieurs tours de chaque minerai. Ouais. Non, nous, c'est qu'une seule grande tour où il y a tous les minerais. Enfin, c'est quand même très grand. Et là, je suis seul à le casser parce que Colox ne veut pas venir. Il regarde la Zenland, donc bah voilà quoi. Hein. Chacun ses occupations. Nous, on détruit des tours, lui, il regarde des lives. Voilà. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà détruire l'escalier. Je pense que je détruirai le reste après. En fait, je vais détruire l'escalier, puis je détruirai la tour au complet après. Bon, il va falloir que je fasse gaffe parce que je sais qu'il y a des trous en bas. Je viens de voir un pandame volant. Ah. Hello. Hop. Les petits blocs.
Puis là, tu dois voir aussi une chute de minerai aussi. Ça va être très impressionnant. Trapette chest. Pourquoi tu me donnes ça? Pour en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah! Pour coller les coffres. Ah, ok, d'accord, merci. Ah, bah oui. Oui, c'est sûr que ça sera plus simple. Ah, merci beaucoup. Ouais, faut que je pense à en faire. C'est ça, t'as totalement raison. Merci, merci, Pandame. Fidèse, mais. Ça va être un peu long, tout petit peu. Enfin, ça va venir. On va bien réussir à tout détruire. Quoique je peux le faire comme ça. Hein. Oui, ça m'évitera de tout faire tomber. Et de risquer d'en perdre. Même si c'est un peu plus long. Bon, enfin, c'est pas très grave. Au moins, je sais que je n'ai point de perte. Ça me ferait suer de perdre tous les minerais là qu'on a passé du temps à miner. Enfin. Hop. Ouais non, c'est trop long. Hop. Comme ça, je descends petit à petit. Je suis encore très haut. Donc on a encore beaucoup de blocs à casser. Puis il faudrait que je fasse gaffe, faudrait que je mette un sol aussi après. Parce que je sais que Colox voulait descendre, sauf qu'il va nous falloir un sol pour pouvoir poser, pour pouvoir éviter que les blocs tombent. J'arrive plus à parler. Il commence à se faire tard. Bon, enfin bref. Je vais essayer au moins de détruire l'escalier. Hop, parfait. Hop, on continue de descendre. Toujours plus. Par contre, là, notre niveau d'île, là, il va chuter. Et j'ai peur quand je casse du quartz quand je suis dessus parce que je sais que comme ça a 5 stand break, j'ai peur de tomber avec. Enfin. Après c'est pas très grave parce que je sais que je vais pas mourir. Mais bon, ça me fait stresser quand même. On continue de tout casser, tranquillo, tranquillou, tranquillos, tranquillos, et bah là. Hop, on récupère les petits blocs, du diamant. Quand même vachement énormément de lapis, hein. Un truc de dingue. Ah là là. Je vais voir peut-être pour aller récupérer les blocs qui sont tombés. Pour éviter de les perdre. Hop, voilà. Un petit paquet quand même. Bon ça va, je suis presque à la moitié de l'escalier là. Enfin presque à la moitié. Je suis quand même bien descendu on va dire.
c'est plus rapide à casser qu'à miner, c'est sûr. Allez, on y va doucement mais sûrement. On continue de descendre. En vrai, je pense que quand j'aurai détruit l'escalier, je vais reposer les blocs, puis après je m'attaquerai à la tour principale. C'est ce qui va être le plus long à casser parce que c'est l'endroit où il y a le plus de blocs, lol. Parce que là, ça va, il y a deux blocs par étage. Alors que l'autre, non. Il y en a 7 ou 8, je crois. Ah là là. On continue. Cop moi. C'est Pandame tiré du 8. Mince, c'est quoi? C'est quoi? C'est slash coop, non? Ah, c'est ça, putain. Et Pandame. Voilà, merci Pandame. Qu'est-ce qu'il fait le cochon ici? Des trucs que je me demande. Comment est-ce que les cochons et les animaux font pour arriver ici? Ils se téléportent ou comment ça se passe? Ah, je vois le fond. Voilà l'escalier principal. Ouais, par contre là va falloir que je fasse gaffe, je vais reboucher le trou pour éviter de perdre des minerais. Ouais, du coup je vais prendre des slabs, je vais reboucher le trou. Alors oui mais non, pas comme ça, s'il te plaît, merci. Hop. Comme ça au moins on aura un sol solide histoire de protéger les minerais qui tombent. Hop. Yap yap le chien. Mon dieu. Quoi? Je glisse, Captain. Voilà. Comme ça, on est sûr que en cas de chute, on n'aura pas de perte de minerai. En cas de chute de minerai, je veux dire. C'est bon, si je tombe, c'est pas très grave. Si les minerais tombent, c'est plus grave. Yep. Oh, ça j'avais pas vu. J'avais oublié des minerais. Bon bah on y va tranquillou. Ah oui d'accord. Oh bah je vais te laisser faire hein Pandame. Je crois que tu gères mieux que moi. Hein. Je vais récupérer les minerais que tu fais tomber. What the fuck. Vas-y, je m'occupe d'ici. Hop voilà, voilà. Je m'occupe de la base. Je te laisse t'occuper du reste.
Ah, c'est horrible. Je suis une horrible personne. Voilà, on y va tranquillement. Puis ça continue. Et voilà. C'était pas bio ça. Puis du coup je vais reboucher ici. Punaise. Tous les blocs qui tombent. À la fin, Pandame, tu vas être full de minerais. C'est génial, il pleut des minerais. J'adore, hop, du charbon. La musique qui se coupe encore, 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 point, 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 point. Voilà. Je vous remets le jeu. Oui, c'est bon. Et c'est génial. Je fais un tour, hop, des minerais. Encore. Ah là là. Ça n'en finit pas. Il pleut toujours des minerais encore. Voilà, c'est génial. Ah bah voilà. Encore. Il pleut encore plus de minerais. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Une pluie de minerais. C'est du inédit sur la chaîne de Dodalgo TV. Nous voyons une pluie de minerais. Vite, rapportez vos sacs à dos et remplissez-les de minerais. Oh là là. Vais-je trop loin? Non. Si, peut-être. Sûrement. Un chouïa. Mon dieu. On va passer en niveau deal négatif. C'est génial. Wow. Ça c'était pas prévu. Tu auras du rose. De quoi du rose? De quoi tu parles, Tanoxo? Ah, de la laine. Sérieux? C'est magnifique. T'es un artiste. T'es un artiste, Anoxo. Merci beaucoup. Vitesse où ça va, punaise. Il est tombé, Pandame. Le quartz qui s'instant break. Ah, on a oublié un bloc d'émeraude. Je vais aller récupérer ce qui est tombé. Et je reviens. Oui, j'ai une énorme peur que ça dispone. Alors pourtant, ma peur est sûrement infondée, hein. Mais j'ai extrêmement peur que ça dispone.
Voilà, c'est ma peur. La peur de perdre des heures et des heures de farm. La pioche de Pandame, quoi. C'est n'importe quoi. Ce qui nous aura pris des heures et des heures à construire, on l'aura détruit en à peu près 20 minutes. C'est génial. N'empêche, c'est quand même plus facile à détruire qu'à construire. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ah là là. Coloc, il va être perdu, il va se dire, mais putain, je me suis encore décoché une base de quelqu'un d'autre ou comment ça se passe? Hop, je me cune une petite lignée comme ça. Hop. Comme ça, Pandame, ce sera plus simple pour lui de miner. Je crois qu'on voit que j'avais tapé dedans, je crois. Parce que j'avais besoin de la piste. Donc, du coup, j'avais dû taper dans la tour pour éviter de d'avoir besoin d'aller en chercher ailleurs. Pièce, le nombre de quartz qu'on a, par contre, c'est abusif. Bon, tu feras attention à un moment, Pandame, tu risques de tomber. Parce qu'il y a un énorme trou avec plein de lapis, du coup, bah, j'ai tout cassé. J'ai même plus de place dans mon inventaire tellement j'ai de minerais. Oh là là. Ah, d'ailleurs, le tien, ça doit être pareil, Pandame. Mais on a tout cassé. Bah, merci beaucoup Pandam de m'avoir aidé, c'est très gentil. Tu peux tout poser là-dedans, dans le coffre là. C'est le coffre à minerai. Je peux pas. Ah mince, t'as pas les permes. Attends. Sache yes perme. Ouvrir des coffres. Voilà, tu peux. Bah voilà, tout juste. Hop, je récupère un petit peu. Ouais, j'ai plus de place. Bah attends, je vais te poser d'autres coffres pour que tu mettes dedans. Là, juste à côté. Ah mais non, c'est bon, t'as fini? Ah bah super, merci beaucoup. Pandame, c'est le héros mystérieux, vous savez, qui vient, qui t'aide, et puis qui repart, comme si de rien n'était. Merci beaucoup, c'est très gentil, Pandame. Maintenant, je vais aller poser tout ça dans le nether. Ouais, c'est parti. Maintenant, on passe en mode construction. Quick. C'est parti. Bon, on a des dizaines de stacks à écouler de blocs de minerais. Et environ 3K de niveau 10 à rattraper. Mais attends, mon inventaire est plein, Philippe Poutre. Merci beaucoup. Mais attends, mon inventaire est plein, Philippe Poutre. Je pose les blocs, tu pourras me le donner après. Ce sera plus simple. Ou alors, oui, tu fais comme ça aussi, ça marche bien. Ouais, voilà. On va continuer de construire.
plus simple de construire comme ça, c'est plus rapide. Ah, plus rapide. Hop, du coup je vais vider ma haute barre. Je vais la remplir de minerais. Voilà, comme ça, ça sera bon. Et hop, on continue. Ratatatata. Ratatatata. Ah oui, non. Oups. Du coup, ça faudra que je le détruise. Hop, on continue. Oh, qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi j'ai changé de main d'un coup? On y va, on continue. On a encore plein de niveaux d'île à rattraper. Ah, c'est dommage ça. Hey, listen! Toujours plus, ouais! Toujours plus de minerais! Hop, encore un sac de fini. Eh mais attendez, mais c'est débile ce que je fais parce que... Bah non, je l'agrandirai après. Parce que, en gros, comme j'ai amélioré mon île, du coup, maintenant les limites de l'île, elles sont encore plus loin. Ah là là. Elle va devenir quelque chose d'impressionnant cette île. GG le spoil. Apparemment ça spoil dans le chat. Attention, ne lisez pas le chat in-game hein. C'est n'importe quoi. Je m'amuse à lire le chat in-game parce que c'est toujours des trucs impressionnants. En tout cas, c'est très drôle. C'est toujours inouï, comme dirait le mec de la pub pour Mario Kart. Tout simplement inouï. C'est le grand 8. Il ressemble à un 8. Voilà. À mon avis, je dois pas du tout avoir la même voix. Enfin, la Nintendo Wii U. Toujours plus. Blablabla. Ah, ma main est vide. Ça, c'est dommage. Ah. Bon, j'ai encore plein de lapis et de redstone à poser. Sans compter le charbon, plus le diamant. Et tout. Bon, on est déjà remonté à 3K d'IS level. Ratatatata, on est vénère. On va harceler ce clic droit. Ah, raté. Hop, on continue. Toujours plus, on en a jamais assez. Ah, ça c'est dommage. Au final, on va finir par le finir. On va finir par le connaître par cœur, le truc de à quoi ressemblent les blocs. Là, pour aller dessiner les yeux fermés. Hein. Hop, on continue à poser les blocs. Ah non, j'ai rien dit. J'allais dire ah là là.
Hop, 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 hop. Toujours plus loin. Ah. Je vais switcher du bleu au rouge, du rouge au bleu. Hop. Eh ben, on aura une journée bien productive aujourd'hui. Je serai presque niveau diamant. Il me manque juste les heures de jeu. J'ai fait une grande ferme à cactus. J'ai agrandi la ferme à pastèque. J'ai fait... J'ai doublé la ferme à canne à sucre. Et avec Pandam, on a détruit la tour et reposé tous les minerais dans le Nether. Et grâce à vous, j'aurais pu améliorer la taille de l'île. Plus, je me suis acheté le Nether. Donc, tout bénef. Merci beaucoup à vous tous. Ah là là. Hop, et on arrive sur les 105 derniers blocs, 115 derniers blocs, avant de passer aux minerais plus précieux. Et après, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte si on a eu de la perte au niveau minerais. Vas-y, plus vite, 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 plus vite. Et après ça, on va s'arrêter là pour ce soir et on ira se coucher. Parce qu'il faut bien dormir quand même un petit peu. C'est important. Niveau minerai, voilà. On est loin d'avoir fini, hein. Je vais poser tout ça là-dedans. Ça, ce sera fait. Ensuite, j'ai récupéré ça après. Hop. Du coup, minerai. Ça va, ça fait pas un inventaire. Sans compter le quartz que j'ai pas encore craft. Comment dire? Voilà. Voilà tout ce qu'on a à poser. Un inventaire entier de minerais. Enfin, presque. Qu'est-ce qu'il fout là, ce poulet? Les poulets vont partout. Et encore, il y en a encore là, des blocs of quartz. C'est jamais fini! Oh, mais non. Je me fatigue. C'est ridicule. Je viens de revoir l'action, c'est ridicule. J'ai mes poulets qui s'infiltrent de partout. Alors où est-ce qu'on en était? Aucune idée. Bon, je vais reprendre un endroit au pif hein, et on verra bien. Hop. Ouais, 12h30 de jeu. Allez, plus que 13h. Allez, plus vite! Ah bah on s'était arrêté là. Il y a vraiment des poulets partout sur mon île, c'est génial, j'adore. Et pourquoi je continue en double alors que c'est moins efficace que de construire en 1x1? Aucune idée! Ah, je me fatigue. En vrai, si vous avez des ressources pack à me proposer, en vrai, envoyez-moi ça en MP. En MP Discord. Et puis je verrai peut-être les mettre pendant une après-midi ou une soirée sur le live Skyblock. Histoire de voir si vous avez des ressources packs à me proposer, histoire de changer un petit peu. Oh là là, on est loin d'avoir fini.
Malgré que ça met une vitesse relativement pas mal, bah c'est long. C'est quelque peu long. Et c'est pas agréable pour les doigts. Au secours! Allez, plus vite! Et on va y arriver! C'est dingue ça! Putain, ce fondateur qui se connecte à des heures qui n'ont pas de nom. Ratatata! Pièce, c'est dingue ça! Même plus un stack de, d'épaisseur. Ah! Il n'y a que des moutons tondus sur mon île. Il a pas Yukito. Ça se trouve je dis là puis c'est le parce que vous avez dit lui donc ça se trouve je dis n'importe quoi depuis le début. Le pardon. Excuse-moi mais ton pseudo fait féminin, je sais pas pourquoi, j'ai envie de te genrer au féminin, excuse-moi. Donc oui, le pauvre. T'inquiète, t'es pas le premier. Ok. Tu me rassures. Allez. Block of gold. Allez! Enfin, je crois qu'on peut voir de quel minerai est-ce qu'on a le plus, je crois, avec ça. Ah, j'ai été trop vite. Allez! Oh! Clavier ma souris qui vont prendre cher. Bon, ma souris sur la boîte, il avait écrit qu'elle pouvait résister à 1 milliard de clics. J'espère bien. Builder, merci. Allez, dépêche-toi. Je veux aller dodo, moi. J'ai une idée, je fais croire à Colox que j'ai revendu tous les minerais pour augmenter le niveau d'île. Quoique non, il va... Enfin, pour augmenter le niveau d'île. Pour augmenter la taille de l'île. Ah, c'est stupide parce qu'il va voir... Il va voir que l'île n'aura pas bougé. Enfin, que le niveau d'île n'aura pas bougé plutôt. Il y a des poulets partout. On va conquérir le monde. Allez, c'est les derniers stacks. Allez, dernier.
tout dernier stack. Allez. Bon, au final, on n'aura même pas rempli le trou. C'est tristouné. Quatre blocs, bon Dieu. Ah, Ragnar qui va se coucher. Ah, j'ai fini. Fouh. Ah ouais, je pourrais me coucher. Ah. Oh. Non, 2, 3, 4. Et bah du coup toi 5. Oh là là, j'ai fini. Ça je vais le vendre. Bon, puis on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. Du coup, vous, je vais vous casser. Et puis, juste ici, je vais mettre les trappes et chests. Ça, merci, Pandam. Hop, ça chope. Je vais aller vendre ça. Faire une dernière récolte de. Comment il s'appelle ça? De pastèque et de citrouille. Pandam. Pandem ou quoi? De quoi? IQ. Ah, 800 IQ. D'accord. Wow, excuse-moi, il se fait tard là, je perds la tête. Je suis un petit peu perdu, sorry. Et j'ai encore cassé ma peluche. Ça me fatigue ça. Allez, plus vite. J'ai remarqué. Oui. Bah, c'est la fatigue, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? À part aller me coucher. Enfin, j'aimerais au moins finir ce champ et ensuite go dodo. Comme ça, on revient demain en forme de bonheur et de bonne humeur. Enfin, peut-être pas de bonheur, mais de bonne humeur, tout du moins. Hop. Et hop. On fait attention de rien oublier. Hop, bah, bonjour toi. Toi aussi, j'en ai oublié là-bas. Voilà, parfait. Et on continue toujours plus loin. Et voilà. Allez, fini. Top chrono, fini. Je range ça dans les coffres. Ça dans les coffres. J'ai oublié un petit peu de citrouille, mais pas grand chose. Un petit peu de pastèque, je crois. Ouais, non, c'est bon. Donc voilà. Fouh. Et bah, c'était une après-midi, une soirée plutôt bien remplie. Merci d'avoir été là. Je vous remercie encore d'être resté si longtemps. Ah bah du coup merci beaucoup pour tous vos cadeaux là, tout l'argent que j'ai reçu. Oh, merci beaucoup. Donc voilà, je vous dis bonne nuit et à demain. Bisous.